Moi, mon nom, c'est Mélissandre, puis je suis danseuse, chorégraphe, interprète pour les Bordéliques. Bonjour, mon nom, c'est Gabriel. Je suis musicien, compositeur pour le duo Les Bordéliques. Les Bordéliques, ben, dans le fond, c'est parce qu'on mélange beaucoup de médiums. On mélange la musique, la danse, le théâtre, les arts clownesques. Et le spectacle qu'on va présenter s'appelle Blind Date. Blind Date, c'est la rencontre de 6 personnages qu'on incarne, Mélissandre et moi. Chacun, on fait 3 personnages très différents et leur rencontre crée des moments souvent drôles. Absurdes. Absurdes, parfois touchants. Dans la chorégraphie, ce que j'aime faire, moi, c'est me baser sur la gigue québécoise, qui est dans le fond ma spécialité. Mais comme j'ai aussi une formation en ballet puis en danse contemporaine, ben j'intègre tout ça avec aussi de la percussion corporelle. Puis je mélange tout ça, puis ça donne mon vocabulaire. Moi, je joue du violon. Je compose de la musique aussi. J'ai une formation en musique classique, en improvisation. Et j'ai aussi une formation en musique actuelle. Et dans le spectacle qu'on va présenter, je m'amuse à mélanger tous ces styles de musique. Aussi la musique traditionnelle, le blues, le tango. La démarche, c'est de mettre la danse et la musique au service de l'histoire, au service des personnages, pour que le spectateur soit à même de vraiment comprendre l'histoire comme si c'était écrit, comme si c'était des textes, mais il n'y a aucune parole, là. Que c'est vraiment juste à travers la danse et la musique que tout est raconté. C'est vraiment un spectacle qui pose un regard ludique sur les relations de couple, sur le jeu de la séduction, sur l'humain en général. On a la chance d'avoir une super belle équipe qui travaille avec nous, qui nous a aidés dans la création de Blind Date. Plusieurs collaborateurs, Michou Sylvain qui a fait la mise en scène. Aude Proulx qui a fait les costumes. Dont le costume de la femme Archet du tableau final. Ça, c'est elle qui l'a créé. Avec Martin Héroux, un luthier dans la région de la Naudière. Serge Froy qui a fait les bandes sonores, la plupart des bandes sonores. Et Audrey Janel aussi qui fait les éclairages. Vous êtes tous les bienvenus le lundi 13 avril, 20h, au Jésus. C'était ça?